Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue devant le site officiel de Price Minister pour la commande d'une toute nouvelle couronne pour le tout nouveau roi que je suis, Dark Souls 2. Alors, dans le précédent épisode, nous avions brillamment triomphé de la carcasse ambulante qu'était le roi Vindric. Nous avions pris son sceptre, cette magnifique couronne. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à comment il s'appelle ? À Dark Souls 2, Crown of the Sunken King. The Sunken King. The Sunken King. The Sunken King. Ça sonne bien. Donc la couronne du roi... Du roi soleil. Le roi lumineux. Pourquoi j'ai choisi de faire les DLC maintenant ? Parce que si ça finit comme dans Dark Souls 1, une fois que t'as fait le dernier truc qui fait que le jeu est fini, bah le jeu est fini. Ce qui fait que si tu veux faire le DLC, il faut recommencer une nouvelle partie. Bien ! Aujourd'hui, nous avançons. Le roi examiné, Price Minister. Alors sachez que pour entrer dans ces DLC, normalement il faut un objet que les trois vieilles vous donnent au tout début. Donc vous serez obligé d'y aller. Enfin, vous... Voilà. Nous sommes arrivés chez Price Minister. Et voici le grand conseil de Price Minister. Celui qui jugera laquelle couronne me va le mieux au teint. Si c'est du vert, du bleu, du jaune. Et ce sont aussi eux qui seront chargés de m'envoyer des tas de pubs dans ma boîte mail. Pour me dire... Ça pourrait vous convenir. Voilà, c'est tout. On fait un peu le tour des lieux. Bien. Il y a... Canal. Pardon. Bonjour messieurs les gens de Price Minister. Je viens chercher ma couronne. Pas la peine de me guider, je sais où trouver. Allumez la torche. Non, pour moi on n'a pas besoin. Fait assez clair. Hop là. Ouvrir. Couronne, me voilà. Roi de Drumblake. Y'a rien. Hop, bouclier en avant. Y'a des drôles de trucs dans cet internet. Aussi devrions-nous avancer prudemment. Bouh, chevalier ! Avouez que vous avez peur. C'est pas très bancal ici, hein. Enfin, c'est pas très stable. Ouh. C'est beau. Allez. Quel est donc ce bruit? Un virus internet. Gauche, objet. Ah ouais. Amulette draconique. Mais quel est donc ce bruit? Cette respiration. Ce ronflement. Oh, des fenêtres. Waouh, regardez comment c'est joli. Ah, c'est trop beau. Mais ça nous dit pas d'où vient ce ronflement. Shulva, la cité sanctuaire. Nous nous rapprochons du ronflement. Qu'importe ce qui dort, c'est sûrement très gros. Wouah! Un dragon! Un dragon! Wouah! Oh, calme! Oh, dragon! Oh, moi je passais par là, je voulais pas te réveiller! Wouah! Oh, c'est magnifique! Un spectacle digne d'un roi. Voilà au moins qui pose les bases dans ce DLC. Il y aura un dragon. Avec un premier feu. Hop là. On se repose. Le roi a besoin de repos des fois. Alors on peut aller soit par là. Là-bas il y a un objet. Allons récupérer donc l'objet. Et une porte aussi. Eh ben on y va. Dark Souls, c'est du pifomètre.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout que cette cité est déserte. Là-bas, il est censé sûrement y avoir un ascenseur, qu'il n'y a pas encore. Bien, faisons demi-tour. Là-bas, il y a un message. Mur illusoire. Mur illusoire, mon cul! Pourtant, il est approuvé 25 fois. En même temps, si tu mets ton message devant, on risque pas de l'activer, ton mur illusoire. Pourquoi? Parce que les murs illusoires, ça s'active avec le bouton d'action. Ce même bouton qui vous permet de lire les messages. Donc du coup, si vous êtes... Si y a un message devant le mur illusoire, bah vous appuyez sur A, bah vous lisez le message. Nya! Un ennemi! Un ennemi pitoyablement faible. Il y a aussi des trucs qui bougent. Nya! On est attaqué! Amenez-vous! Non, pas celle-là! Ah, tiens, arrête de faire le con! Ah, le roi fait que des trucs de con! Comment oses-tu porter la main sur ton roi? Tu le sais peut-être pas, mais j'ai une couronne! Amenez-vous! À propos de crêpe. Timer. Chargez pour le roi. Pour moi. Attention le trou. Waouh. Un vrai défi pour le roi chevalier que je suis. Waouh, trois archers. Attention parce que les flèches piquent. Normal, ce sont des flèches. Toi, tu vas déguster. Là, ça one-shot même pas. Aïe, 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 aïe. Bon, bah voilà. A ton tour, mon gros! Hop là! Bref, plus rapide que toi! Eh! Hey, roi de Drangleic, motherfucker! Toi, un objet pour moi. C'est très gentil. Mousse toxique. Et j'aime David. Bien, par où allons-nous? Ça brille, ça. Pas mal. Quel étrange système de mécanique. Mais par où on descend? Comment on descend? Enfin, comment on monte? Comment on monte à ce truc là? Papa? Bon. On va essayer d'y aller rapidement. Quickly, quickly, quickly! Yeah! Bonjour. Ah, merde. Bonjour. Regret. Pourquoi regret? Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Donc là, il y a un objet. Et là, il y a apparemment la suite. Eh bien, on va laisser prendre l'objet. You! Youhou! Oh, 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 oh. Arc long! Et des chaînes! Ça vient d'en bas, sûrement. Non, en bas, c'est le précipice. On va retourner au feu parce que de toute façon, on est peuplé! Avancez! Téléportation! Alors. Déjà, on va voir ce que vaut l'arc long. L'arc long plus 7. Je suis sûr qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. S'il est amélioré. Ouais.
Ouais. I'm a British Bower. Je sais pas si ça se dit, mais... Bon, on va garder, pourquoi pas. Par là, là, il y a des mecs. Salut, mec. Alabama, man. Ah, il y a un autre pilier, là. Attends. Moi aussi, j'ai un arche. Et les ténèbres, t'en dis quoi? Il s'en fout. Ah! Aïe! Bon, tant pis, je suis le roi, j'encaisse! Raté! Boum! Alors, juste une question. Ouais, mon Velstad est mieux. On va se remettre en tenue de roi qui va à la guerre, voilà. Ils ont mes gants de Velstad. Ah, mes gants de Velstad, ils sont où? Ils sont là. Voilà. Ça, c'est ma tenue du roi qui part à la guerre. Pourquoi? Parce que... Voilà. Et amène-toi. Ah, il y en a deux. Ah, merde. Vénère. Bon, je les touchote. Alors, ça fait quoi? Il y a un drôle de truc là-bas. Ça fait ça, d'accord. Et ça mène où? Ok, ça mène ici. Alors, pour remonter. Y'a pas moyen de remonter, là. Sérieux. Y'a pas genre... petit pilier, ou... Quelque chose. Non, apparemment non. Bon bah, retour. Ouah! Quand il espérait... Ah non. Ah, quel mauvais faux pas pour le roi. Ah, ça franchement, c'est n'importe qui aurait pu l'éviter. Attendez, je suis un roi. Il faut un look un peu plus royal. Ah oui, j'ai toujours mon arc long à la con. Ok les gars, je suis prêt. Non, non, tu te rejettes pas. Oh. T'as cru que c'était la fête à la maison ici ou quoi? Yes. Espadon de Mira, c'est celui de ma femme. Allez, amène-toi. Genre, t'es pas mort après ça. Hop. Quel bronze de jambes. Yes. Mais... Toi, tu vas pas me tuer comme ça. Je suis le roi. Ah, mais... Oh.
Ensuite, la vodka. Hop là. Lui, on peut l'avoir de haut, donc on va pas se priver. Aveline, attaque feu. J'ai cru qu'il y avait un ennemi derrière moi, c'est un fantôme. Hep, 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 hep. Ici. Non, tu te régènes pas. Oh, t'as cru quoi? C'était la fête? Bien. Ensuite. On attaque. Hop là. Allez, amène-toi du con. J'ai jamais fait autant d'exécutions que dans cette vidéo. La masse du sanctuaire. Ouh, on va y passer un moment dans DLC. Hein. Si déjà je commence à me paumer. Alors. Mon âme était là. Sauf que maintenant je n'ai aucun moyen de remonter. Y'a pas un pilier ou... Un pilier. Là. Non, il n'y a pas de pilier. Ah, me dis pas que je suis bloqué. Ah. Bon, bah, retour au feu. J'ai l'impression de tourner en rond. Impression de tourner en rond dans ce DLC. Surtout que nous avons un objectif, c'est d'aller voir le dragon. Gentil ou méchant. Bon, on verra. Les gars, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Allez, amenez-vous. Allez bien! Allez bien! Tu piques, my lord! Ah, j'oublierai jamais mes trucs de vodka. Ah, quel con! J'encaisse les flèches! Va te faire voir! Ah, y'a peut-être moyen de descendre là. Yo! Nouveau chemin! Ah yeah. Tu veux prendre les gens par derrière? C'est comme ça qu'on fait! Alors. Mais il est là, pilier. Hop, viens par là, toi. Bon, allez, c'est cool. Il est où l'archer? Ah, maintenant, j'ose plus y aller. Y'a des gens partout. Bon, là, on peut monter. Lui, il a une framée. Comme ça qu'on fait pour empaler les gens. Ouais, je te jure, ces amateurs. Ils prennent des armes au pif. Et ils font de la merde avec. J'étais où, moi? J'étais là. Mais il était là, le poteau. Ah. Ah, d'accord. Bah, tu m'es insignifiant. Et ensuite, là, il y a deux bâtiments. De bâtiment. Ah, ah, ah. Ah. Mais ils sont partout. On s'en fout de savoir ce que c'est. On pète. Ah, merde, c'est quoi? Ah, d'accord.
Waouh. Quel est donc ce minable... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ok. Attends, on va mettre le deuxième. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? C'est moche. Là, il y a deux soldats. Dont un archer. Ah! Arrêtez, Je sais pas ce qui est parti, mais c'est parti. Bah alors, on va déblayer tous les soldats. Oh, petit pas de côté, j'esquive la flèche, motherfucker. Bon, celle-là, je me la bouffe. Ok, suivant. Mais d'où il sort, lui? Oh! Sois pas vénère! Plus rapide que toi! Oh! Ça part déjà très mal. Là, y'a quoi? Boum! Y'a que ce pilier. Et ben, on tape dedans. Allez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait venir une plateforme. D'accord. Il faut analyser le terrain. Là, ça fait quoi? Ça fait monter la plateforme. D'accord. Ensuite, dans le bâtiment. Non, y'a rien. Dans le bâtiment aux insectes. Ça fait quoi? Ah oui, c'est vrai. Ah, ça peut servir de raccourci. Aïe! Oh, et ce bruit d'insecte! Insupportable! Donc ça fait monter le truc ici. D'accord. Alors, marche là, t'arrives là. Salut mon gros. Ah, t'as pas eu le temps de te lever que je te tue! Je te tue! Motherfucker! Alors, si on suit, si on monte par là. Boum! Objet. Et ces bruits d'insectes à te rendre fou! Anneau de morsure empoisonné. Mais d'où il sort lui? Ah! Bon, en tout cas, par là, c'est un cul-de-sac. Maintenant, on le sait. Et on pourra descendre par là si jamais. Maintenant qu'on a débloqué le raccourci. Là. Là, je suis sûr qu'il y a un objet en dessous. You. Yeah. Mon instinct ne m'a jamais trompé. Et on peut rejoindre par ici. Et il y a des bruits de flash. Ah ouais, des flash. Là-bas, il y a encore un nid à insectes. Là, ça doit faire monter le truc là. Ah oui, ça fait monter le truc là. Ouais, hop. Là, il y a un objet. Oh, ça regorge de secrets, cette cité. C'est ma foi fort intéressant. Là, on pète les pots. Et on peut descendre ici. Attends, je vois que mon espadon commence à être un peu amoché. Donc, poudre de réparation. Et on continue. Là-bas, il y a des flash. Ce qui doit être sans contester la suite. Là-bas, j'ai fait. Là-bas, est-ce que j'ai tout fait? Il y avait une porte ici. Une porte menant nulle part. Si, peut-être. Non, une porte menant nulle part. Et là... Là, j'ai tout fait aussi. Bien, on va pouvoir continuer. Par là. On sait jamais.
Je sais très bien que je sens que la suite est vers les flash. T'es mort toi, t'es sûr? Attends, il est passé où? Ok, donc là, ça coupe le passage. Et ben, on va le remettre. Même si je sais que la suite, c'est vers les flatch. Je sens qu'il y a des trésors aussi par là. Et j'ai toujours oublié... Ah non, j'ai pas oublié de mettre le son. Ah! Ils me font chier, ces archers! Voilà! On va prendre le bouclier. Bouh! Insecte! En pète les œufs! C'est corrosif! Là-bas y'a quoi? Là-bas y'a rien. Les insectes doivent être à l'étage. Coucou, insecte! Tu es corrosif! Et tu es moche! Voilà! Vivement un feu parce que mes stocks et mes qualités. Oh, champignons! Champignons! Et mes stocks de. Et mes qualités d'armes commencent à faiblir. C'est tout ce qu'il y avait ici? Il y a moyen de s'en faire un bon paquet de là. Mesdames et messieurs, le roi se transforme en arche! Il est mon arc. Il est là, monarque. M'en fous, je bouffe, mais toi aussi. Je t'enlève plus de vie que tu ne m'en enlèves. Et en plus, tu es mort. Là, il n'y a pas que moi qui ai eu cette idée. Nya, raté. Encore à moi. Hop là. Tac. Hop. En plus, il vise très mal. Eh oui, un roi doit être archer aussi. Bien, est-ce que de là la route semble sûre? Apparemment oui. Nous pouvons donc continuer. Sauf si je me rate la marche. D'où est-ce que tu sors toi? Avec ton nuage corrosif, tu pues! Bien. C'est là? Ouais, c'est là. Yo! 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 Nine! 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 Scheiße, Futen! Oui, parce que le roi, des fois, est un peu bourré, il vise mal. Bon. Ouais, je sens que ce réseau internet ne va pas être si facile d'accès. Surtout pour une couronne, quoi. On s'en fout, j'ai débloqué plein de raccourcis. Et on se remet humain aussi. Chebladou! Allez hop! Paré! Ah! Ce qu'il y a, c'est que tous ces archers vont me faire chier. Hop! Je vous fais un faux bond, les archers. Ouais, si vous voulez. C'est là-bas. C'est moi le roi. Mais je te faisais face, du con. Oh, la superbe... Ah non, raté. Bon. Il reste couché, l'insecte. Et toi aussi. Et toi aussi. Sou. Et reçu. Voilà qui dégagera le passage. On va reprendre Aveline.
On va remonter en speed. On a récupéré mon âme. Et maintenant on se casse. Évasion est réussie. Et en plus c'était la dernière zone où je devais aller. Ce qui veut dire qu'il faut affronter la cohorte à de Flash Flash. Qu'est-ce que c'est ça? Wouah! Révélation! Les Flash Flash sont en fait des tortues! Oh, c'est rigolo! Bon, faut pas que je reste ici trop longtemps parce que ça m'empoisonne. Wouah! Une tortue Flash Flash! Pourquoi pas? Ça veut dire que dans le ravin noir, toutes ces tortues que j'avais tuées, enfin tous ces Flash Flash que j'avais tuées, étaient des tortues! Ah, je suis pris en tenaille! Mais je me glisse derrière toi et je... Non, d'accord, bon. On va dire que je t'exécute sommairement alors. Tiens! Hop, petit... Ouais, si tu veux. Derrière. Sympa, j'étais au courant, merci. Hop là. Là-bas. Oh, il y a tant de chemins qui s'ouvrent. Là-bas, ça a l'air d'être une suite. Là-bas, apparemment, c'est pour revenir. Oh là là, c'est beau. On dirait des temples mayas. Mais des temples mayas de films genre Indiana Jones. Donc ceux qui sont perdus au centre de la Terre, au-dessus d'un abîme sans fond. Que les mecs qui vivaient là, c'était... Ils avaient la vie. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Ou combattant aguerri. Yoss. Combattant. Waouh, waouh, waouh. Tu m'as raté. Mais moi je te raterai pas. Il est pas mort. Ah mais... Je suis caché. Ah, je tourne le dos à l'archer, c'est pas bon là. Allez. Voilà, l'autre maintenant. Combattant aguerri. Wouah, des flash flash noirs. Pas d'allusion raciste là, mais c'est juste qu'ils sont noirs avec les yeux rouges. Et il y a plein de mécanismes. Talisman de Lloyd, ouais, pourquoi pas. Wouah, mais il y a tout plein de mécanismes ici aussi. Ouais, c'est touché celui-là. Celui-là le fait monter. Y a-t-il seulement un chemin? Oui, il y a un chemin là-bas. Nya, pourquoi pas. Ah, ça pouvait servir seulement de chemin détourné. D'accord. Pour prendre les... Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, la tortue? Tortue, qu'est-ce que tu fous là? Dégage! On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Hop là. Boum! Nya, j'étais sûr! Yeah, yeah, yeah. Encore une brillante exécution, force chevalier! Et là, il y a un. Là, il y a. Ça, c'est un piège. Un piège? Il y a un truc en bas. Ah ouais, c'est là où j'ai tué là. Là où il y avait les gens en embuscade. Attention, trou, attention, roulade. Bon bah voilà. Là du coup c'est où?
Ah oui, c'est vrai, d'accord, je vois. Je vois parfaitement où nous sommes. Nous ne sommes point perdus. Bon, ça, on va le faire redescendre. Histoire de voir ce qu'il y a là-haut. Voilà. J'ai pas lu le message, je m'en fous. À venir. Vers l'infini et au-delà. Quand même, qui c'est qui vivait là-dedans? Un feu! Alléluia! On se repose. Même si ça va faire réapparaître les ennemis, je m'en fous, je suis en hauteur. Bonjour, chevalier. Oh, il a une jolie lance. Et il a un joli arc aussi. Il était chelou, l'arc, mais... Attention, ennemi redoutable. Où ça? Il n'y a pas d'ennemi. Ah, si, d'accord. C'est le jeu du concours de celui qui tire le plus vite. Ah, mais ils sont deux, c'est pas assez de la triche. Et... Bouh! Je tire vite, plus vite que la lumière. Te voilà seul face à ton destin, mon gars. Face au destin que le roi te réserve. Goûte à mes carreaux de foudre. Et à mes carreaux de feu. Et j'ai... Ah bon, tant pis. La flèche, je me la prends dans le cul. Il y en a d'autres. Genre lui, là. Tu crois que je l'ai pas vu. Sauf que tu peux pas m'avoir. Là, c'est limite le point le plus en sécurité de la cité. Littéralement. Hein. C'est-à-dire que... Le seul moyen pour eux de venir, c'est de taper dans le bitonio. Sauf que comme c'est des tanches... Par contre, pour revenir, je dis pas. Tac, tac. Ah, mais... D'accord. Et il m'en manque un. Où est le dernier bitonio? Faudrait que c'est flex si je descends là? Ouais. Yo! Wouhou! Aïe! Aïe! Ah, il m'attaque quand je suis en mauvaise posture. Ah, le félon! Un peu de soin. Et mets ta vie, mon pote, que tu vas déguster. Bouclier, chevalier. Charge du chevalier. Wow. Voudrait-il causer la perte de son roi, seigneur et maître? Grossière erreur. Il a... Et il manque un bitonio, en fait. Pour revenir au feu. Non, bon, tant pis. Hop là. Vas-y, amène-toi. Yes. Ah, il y a des jours où il vaut mieux rester couché. Là-bas, il y a une tortue à flatch. Un petit peu de soin. Là, il y a le dernier bitonio. Ça bouge lequel? Ça bouge le dernier. Parfait. Ah, calme-toi, Flash. Flash, casse-toi, Flash. Allez, mets-toi en marche. Regarde, il est tout mimi. Mais le truc, c'est que comment on monte? C'est la tortue qui a fait ça? Bah, dis donc, tortue. Tu fais des rototos? Ah bien, sa tortue.
projectile nécessaire. Casse-toi, la tortue, hein. Je réfléchis. Allez, Oust. Avance plus vite. Ah. Merci. Alors. Mais non. Je suis déjà full life. Ah, comment gâcher un sort, alors. Est-ce que ça peut se casser à la flèche? Non, ça peut pas se casser à la flèche. Mais alors, comment on monte, là? Ah, laissez-moi tranquille! Parce que, bon... moi, je veux bien, mais les trucs, c'est que les objets sont plus hauts les uns que les autres. Ah oui, c'est vrai. Voilà, vous êtes contents? Ils sont plus hauts les uns que les autres. Bon, vous savez quoi? Ce mystère mystérieux, nous le reprendrons dans le prochain épisode, où nous continuerons à explorer cette cité antique qu'est Shulva, la cité antique. Hop, petit salut! À la prochaine fois.